Bonsoir les amis, heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet est fini, on commence le mois d'août et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui étaient partis pendant le mois de juillet. Et si vous êtes quelque part en vacances, on vous salue de là où vous êtes, peut-être au soleil, soyez bénis. Et si vous vous partez là pour le mois d'août, que le Seigneur vous accompagne dans ces vacances. Nous, on est encore là, fidèles au poste pour vous servir. Et je dis merci à toute l'équipe d'MLK, à l'équipe technique qui est là à chaque fois. Que Dieu les bénisse. C'est une joie de vous servir, les amis. Et ce soir, j'ai toute une équipe avec moi que je vais vous présenter au fur et à mesure qu'on est en train de continuer ce moment ensemble. Alors, on va commencer par la prière, par dire merci à Dieu. Merci, Papa, pour ce temps. Merci de nous avoir gardés durant tout le mois de juillet et nous bénissons ce mois d'août qui vient de commencer. Père, tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui guides chacun de nous pas à pas. Je bénis ceux qui sont en vacances, je bénis ceux qui reviennent des vacances et je bénis ceux qui partent en vacances. Merci de veiller sur chacun de nous. Laisse que Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, tu prennes toute la place ce soir. Manifeste ta puissance. Touche tes cœurs et réveille une armée d'hommes et de femmes qui prient. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci les amis. Ce soir, on est là. C'est toute une équipe d'hommes et de femmes qui prient, qui sont là pour vous servir ce soir. Mais on va commencer ce temps par un chant, par un cantique. Nos chants vont monter vers l'Éternel. Que nos chants ensemble soient comme un hymne. Nous sommes une armée et je veux que l'armée de l'Éternel montre qu'on est là. On dit on est là, Seigneur, on est là, on est là. Nos chants vont monter. Soyez bénis et je laisse la place à mon frère Daniel qui est là ce soir avec nous. Que nos chants sois comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi, personne d'autre que pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont ouverts. Oh tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend, que nos cris soient comme un hymne, nos louanges, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oh oui, nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Avec force, dis un seul mot. Et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur.
me s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oui, Jésus, tu es le bienvenu en ce lieu ce soir. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Oui, Jésus, tu es le bienvenu en ce lieu. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oui. Seigneur, sois le bienvenu ce soir. Seigneur, sois le bienvenu. Ce chant est tellement magnifique et profond. Je ne sais pas si vous avez fait attention à chaque parole que Daniel a prononcée ce soir. Nous t'accueillons. Nous sommes ensemble. Tu n'es pas seul ce soir. Nous sommes une armée. Ensemble, nous disons la bienvenue à notre Dieu. Je dis merci à David, à Gadiel et Daniel qui sont là à la louange avec nous. Bénissons-les. Dieu met une équipe formidable autour de nous ce soir et nous disons merci à Dieu. Et ce soir, on va vous partager sur un thème cher à mon cœur. C'est la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Ceux qui font confiance à l'Éternel, même au travers de leurs prières, ne sont jamais déçus. Et ce soir, j'ai mes frères, mes bien-aimés, je les appelle les compagnons de route dans l'œuvre de Dieu. C'est Gerson et Jean-Pierre qui sont des équipiers des prières à l'église MLK. Pour ceux qui font l'intercession, n'hésitez pas. L'intercession de toute l'église MLK, c'est tous les mardis. C'est en ligne, de 19h à 20h30. Allez-y et vous allez trouver Gerson. Gerson est un intercesseur. Et j'ai Jean-Pierre aussi, qui est un équipier de prière. Ce sont les deux personnes que Dieu a envoyées pour te parler ce soir. Et ils ont un message de la part de Dieu pour toi. Je vais commencer par laisser la parole à Gerson. Bienvenue Gerson. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci. Bonsoir à tous, à tous ceux qui sont en ligne. Soyez bénis. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de l'intercession, du coup, j'ai vécu une expérience assez compliquée le 16 mars de cette année. Je me déplace en scooter parce que c'est mon travail qui le veut. Et je revenais un soir, il était à peu près 20 heures le soir, et en regardant l'heure, je me dis, mince, je vais rater le coucher de ma fille. Et j'aime prendre ce temps avec elle parce qu'on prie ensemble, parce que, bon, elle ne comprend pas, elle est toute petite. Hein, mais j'aime ces temps-là, j'aime passer du temps avec ma fille. Et j'étais un peu déçu, du coup, et j'ai voulu aller un petit peu plus vite que la normale. Et dans une accélération, je passe, comme tous les motards le font, juste à côté du Dodan. Et sur ce côté du Dodan, il y avait un tout petit terre-plein, minuscule. Et ma roue a tapé sur le petit terre-plein de séparation. Et mon scooter a voltigé. Et je me suis vu partir comme ça. Et sincèrement, les amis, j'ai vraiment cru que c'était le dernier jour de ma vie, ce jour-là. Parce que quand je suis retombé, mes poumons étaient touchés, du coup, et je ne respirais plus.
Et il était 20h le soir et il n'y avait personne qui se baladait dans la rue à cette heure-ci. Et je me suis relevé, tant bien que mal. Et là, je me tape dans la poitrine parce que j'ai besoin de provoquer une respiration en moi. Et je panique et je vois tout défiler. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ma fille n'a pas un an et il faut que je la voie grandir. Mon épouse, je pense à ma famille et je me dis, non, c'est pas possible que ce soit fini. Et juste à côté de l'accident, il y a un monsieur qui a entendu le bruit. Et il est sorti de la maison et il s'est avéré que c'était un pompier. Et le pompier, il vient avec toute la tendresse d'un pompier et puis il me prend le cou, il me dit « Bougez pas, monsieur, bougez pas ». Et moi, j'ai dit « Je bouge pas, mais il me faut le téléphone. il faut que j'ai mon téléphone à la main. » Parce qu'il fallait absolument que je prévienne mon épouse que je venais d'avoir un accident parce qu'avant de partir, j'ai l'habitude de lui dire « Je pars ». Et on calcule le temps comme ça. Et si jamais je dépasse le temps, elle s'inquiète et tout ça. Donc, on me fait ramener le téléphone. Et le premier message est à mon épouse. Je dis, je l'appelle. Et tant bien que mal, j'essayais de parler, mais c'est très difficile. Et j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas, je viens d'avoir un accident. Je suis vivant puisque je t'appelle. Et la première chose que ma femme fait, c'est d'alerter, de communiquer l'accident. Et elle a envoyé un message au patient Nicolas. Et le deuxième message a été pour le groupe d'intercession. Je dis, il faut que l'intercession prie parce que je ne peux pas partir comme ça. Et je me voyais partir. Honnêtement, je me voyais partir. Ça a été la peur de ma vie. Et j'envoie le message et je vois défiler des petites mains, on prie pour toi. Et je vois en fait, alors je ne veux pas dire je vois dans l'esprit parce que ce n'est pas le cas, mais je vois à travers les messages qu'une armée est en train de se lever autour de moi. Et ça, ça m'encourage. Et ça, ça m'encourage. Je me dis, merci Seigneur parce que tu mets des frères et des sœurs à notre disposition dans nos besoins. Et pour moi, ça a été quelque chose qui a débloqué quelque chose en moi. Une envie de... Non, je ne peux pas partir, il y a une armée qui s'est levée. Je ne peux pas partir. Et là, je suis content parce qu'au fur et à mesure que les pompiers me mettent dans le brancard et tout ça, je vois que je commence à mieux respirer. Et avec des blessures, des contusions un petit peu partout, et ça fait mal et tout ça, mais je suis vivant. Donc la douleur, à ce moment-là, je m'en occupe pas en fait. Je vois que je respire, que je vois et mon fils est arrivé en panique et il me voit, il fait oh bon ça va. S'il a souri, c'est que ça va. Et j'étais à l'hôpital quand je reçois des messages. Pasteur Nico, je crois qu'il était, c'était un jeudi puisque il a prié en live pour moi à ce moment-là. Et j'étais aux anges, j'étais transporté, j'étais emmené dans cet élan de prière, de foi, et je voyais que ma situation, même si elle était mal, elle n'allait pas empirer, et qu'il y avait un rétablissement. Je suis sorti le soir même de l'hôpital, en me disant, les médecins m'ont dit qu'il y avait absolument rien. Et c'est avéré par la suite que j'avais quand même 4 côtes cassées, que j'avais un poumon endommagé, des contusions partout, au thorax, j'ai ma cheville qui n'allait pas du tout avec une entorse et tout ça. Donc, plein de choses. Mais le fait de savoir que Dieu était là et que malgré la situation, il me tend la main, il m'a ramassé de ce que je venais de vivre. Et ce n'est pas fini avec Dieu, en fait. C'est pas fini avec Dieu. J'ai ce récit biblique, vous pouvez le chercher chez vous, dans Marc 6, au chapitre, je l'ai noté, chapitre 46. On voit l'histoire de Jésus avec la barque, avec Pierre et tous les disciples qui sont dans la barque. Et Jésus est resté dans la montagne en train de prier. Et
au milieu de la nuit, la Bible parle de la quatrième veille. Au milieu de la nuit, Jésus voit que les disciples ont du mal à ramer. Et il voit que la tempête se lève et que les disciples sont en panique. Et Jésus descend dans la barque. Descend et il marche dans l'eau. Et à travers les nuées, à travers le brouillard, Jésus a vu la difficulté par laquelle les disciples passaient. Moi, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer ce soir. Je ne sais pas avec quoi tu es en train de lutter. Je ne sais pas où tu en es dans le domaine de ta vie, de ta maladie, de ta situation familiale, avec ton enfant, avec ton mari, avec ton épouse. Je ne connais pas la situation. Mais Jésus est un intercesseur et il prie pour toi aussi. Il prie pour toi et même si aujourd'hui tu vois qu'il n'y a que du brouillard, Jésus, lui, ne te regarde pas avec un œil charnel. Il te voit avec un œil surnaturel et il traverse cette nuée, il traverse ce nuage pour aller à ta rencontre. Jésus sur la montagne est l'intercesseur. Jésus, il marche sur l'eau, il est la providence. Et Jésus, il va dans ta barque, il est la présence. Et ce soir, il est avec toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, il vient, il te tend la main. Laisse-moi prier ce soir pour ta situation. On va tous prier pour cette situation. Lève tes mains là où tu es. Et la seule chose que tu dois faire pour recevoir cette bénédiction, c'est de croire. Que ta foi soit activée ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit puisse venir convaincre ton cœur que la providence de Jésus est là ce soir pour ta vie. Seigneur, je prie ce soir afin, Seigneur, que tu étends ta main dans les situations, Seigneur, que nos bien-aimés sont en train de passer, Seigneur, ce soir. Seigneur, que ta main puissante puisse venir relever, Seigneur, celui qui est tombé. Seigneur, que ta main puissante puisse venir, Seigneur, guérir, toucher celui qui est malade, Seigneur. Que l'onction précieuse de ton Esprit Saint, Papa, puisse rétablir, Seigneur, les couples, les mariages. Papa, que ta main puissante puisse, Seigneur, restaurer les relations père et fils et mère et fille, Seigneur. Qu'il puisse avoir une restauration complète ce soir, Père éternel. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, par excellence, notre Père, Seigneur, et nous sommes tes enfants. Seigneur, ta parole dit qu'il n'y a pas un juste, Seigneur, il n'y a pas un seul juste, Seigneur, que tes yeux ne voient pas, Seigneur. Alors merci, Seigneur, du miracle que tu opères ce soir dans chaque vie, Papa. Comme tu as fait pour moi à ce moment-là, Seigneur. Comme tu as fait, Seigneur, au moment où j'étais en train de me sentir partir, Seigneur. Tu es venu et tu as tendu ta main et tu m'as relevé. Oui, parce que quand tu es là, Seigneur, rien n'est fini. Quand tu mets ta main sur nos vies, Seigneur, rien n'est fini, Père éternel. Et ce soir, je veux déclarer que rien n'est fini pour ta vie ce soir. Tu continues à agir, Seigneur, et à opérer des miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Amen. Gerson. Ce soir, moi, je voudrais t'encourager qu'il y a un Dieu qui peut s'effrayer un chemin dans ta situation. Ce soir, on va prendre un chant. Et je veux que tu le chantes comme une prière. On a entendu le témoignage de Gerson. Même dans la nuit, là où il n'y a personne, Dieu peut s'effrayer un chemin vers toi. Même quand il y a le brouillard dans ta situation, il s'effraie un chemin. Il est là, présent dans ta situation. On va prendre ce chant vraiment comme une prière. Visualise ta situation et vois Jésus qui est en train de marcher vers toi. Maintenant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore.
Tu es là, tu sens parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu agis, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore, et tu ferais. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Qu'il y a quelqu'un qui se dit le frère a témoigné, beaucoup de gens ont intercédé, mais moi je suis seul, comment est-ce que je fais? Et Christ a dit qu'il sera là pour intercéder auprès du Père. Quand tu te sens seul, il sera là. Ce chant dit qu'il trace un chemin, et à partir du moment où il t'est arrivé quelque chose d'important ou de grave, Christ est là. Et quand il trace quelque chose, il n'y a rien qui s'efface. Même le doigt sur le sable, la mer ne veut pas l'effacer, le doigt de Jésus. C'est l'image que j'avais. Si Jésus aurait un stylo, une feuille, il tracerait sur une feuille, il n'y a même pas de l'eau pour enlever cette marque que je fais. Quand Jésus fait quelque chose, il n'y a rien qui peut l'enlever. Il a un projet, il a tracé quelque chose et rien ne l'arrêtera. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Mon ami,
Je veux te dire ce soir que ce qu'on est en train de dire là, tu l'as bien entendu. Gerson l'a vécu et il a gardé la date en mémoire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il te dit qu'il est là, présent, c'est qu'il est là. Et Daniel nous l'a dit, peut-être tu te regardes, tu dis, je suis seul. Tu n'es pas seul. Si tu t'es retrouvé là ce soir avec nous, nous on veut te dire, tu n'es pas seul Suzanne. Tu n'es pas seul Philippe. Tu n'es pas seul. Tu as une armée autour de toi. Alors ne reste pas seul. Devant chaque situation, sache qu'il y a toute une équipe qui intercède pour toi. On continue avec notre thème. Moi, j'ai aimé, quand Gerson a eu son accident, c'était juste après la conférence Shine. Vous imaginez l'armée des guerrières et des guerriers dans la prière, quand ils entendent. Nous, on les appelle des soldats, qu'il y a un soldat à terre. On se lève, on se dit, « Papa, là, il est temps. » Et on a déclaré, on a proclamé, on a arraché, on a décrété. Tu n'es pas seul, tu as une armée autour de toi. Et je reçois Jean-Pierre avec moi. Jean-Pierre va nous partager aussi son témoignage. Et je sais que ce témoignage va te parler. Je voudrais t'appeler, toi qui es avec nous sur le chat, à te connecter au témoignage que tu entends ce soir. Que ce soit le témoignage de Gerson, que ce soit le témoignage de Jean-Pierre. C'est de dire, papa, si tu l'as fait pour eux, tu vas le faire pour moi. Je me connecte à ce témoignage. Je saisis. Peut-être c'est pour un membre de ta famille qui est dans le coma, qui est dans une situation difficile. Peu importe la maladie ou pas, tu dis, papa, je viens me connecter à ce témoignage. Si tu l'as fait, tu peux le faire pour moi aussi. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Joël. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à vous, à tous ceux qui sont connectés ce soir. Voilà, moi je vais vous raconter mon témoignage, ce que j'ai vécu en 1997, l'année où je devais prendre mon baptême. Et en plein été, au mois de juillet, j'étais avec deux de mes meilleurs amis, et lui en voiture et nous deux en vélo. Et il devait emmener sa voiture au garage et nous on s'est dit on va l'accompagner. Voilà, pas de casque, on prend le vélo, hop, et on l'accompagne dans son garage. Et au moment où en fait, ils finissent de réparer la voiture, nous, mon ami et moi, on se dit, ben, on va commencer à prendre la route. Et lui va nous rejoindre en voiture. Et hop, on commence à rouler en vélo, assez vite. Et lui, il s'est dit, en voiture, je vais contourner le chemin et je vais les rattraper à destination. Et sans doute, et j'en suis sûr que le Saint-Esprit a parlé dans son cœur, s'est dit, non, mais en fait, je vais prendre le même chemin qu'eux qu'ils ont pris en vélo. Et il commence à prendre la route et au bout d'un moment, sur un virage, il voit mon vélo par terre. Il ne me voit pas. Il fait quelques mètres plus loin. Et là, il me retrouve plus bas, mais de l'autre côté de la rue avec mon meilleur ami qui pleure à côté. Et il me retrouve par terre, inanimé, je ne respire plus. Et en panique, en plein été, beaucoup de gens sont partis en vacances, ils commencent à sonner un peu dans toutes les maisons. Il y a une personne au bout d'un moment qui ouvre et qui appelle les pompiers. Et voilà, les pompiers arrivent assez vite. Et ils ont commencé à me poser des questions. Et ben voilà, quel âge as-tu? Comment tu t'appelles? Et ben qu'est-ce que je dis? Ben j'ai 5 ans, j'ai 3 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard. Bon, il dit, ah là c'est grave, ils me transportent à l'hôpital, à Créteil, l'hôpital le plus proche. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils me font un scanner. Et au niveau du cerveau, ils voient en fait que j'ai un caillot de sang. Et ils disent là, en fait, le cerveau est touché. Je tombe dans le coma et ils me font une opération d'urgence. Ils me transportent dans un autre hôpital parce que c'est urgent. Et je vais à Sainte-Anne et là, ils me font l'opération pour justement... le caillot de sang que j'ai au niveau de la tête pour l'enlever. Du coup, là, vous voyez, j'ai un arc de cercle à côté, là, c'est sur le côté. Et mon père travaillait à ce moment-là et
Voilà, on l'appelle, il vient en panique et les médecins, voilà, ils voient mes parents et ils disent, ben, écoutez, on a opéré votre fils, il est dans le coma. On ne peut pas le réveiller parce que sinon il risque, en fait, le cœur risque de ne pas tenir, il faut qu'il se réveille tout seul. Et là, il me dit, mais maintenant, il y a une chance sur deux, on a fait l'opération, il peut se réveiller comme il ne peut se pas se réveiller. Il me dit, c'est, voilà, parole des hommes, ben, un coup de chance, il se réveille pas, faut attendre. Et je reste dans le coma une dizaine de jours. Et au bout d'une dizaine de jours, ben, je me réveille. Je me réveille et ce que j'ai oublié de vous dire, justement, c'est que il y avait une équipe d'intercession qui était là. Toute une église qui priait pour moi. Ils ont sonné la trompette en disant « Faut qu'il se réveille, faut qu'il se réveille. » Et les médecins, ils ont dit à mes parents, s'ils se réveillent, il faudra leur apprendre à parler, à marcher. On va faire les papiers pour qu'ils puissent faire la rentrée scolaire à l'hôpital. Et au bout de 10 jours, j'étais chez moi. Je suis rentré à la maison. Pas de séquelles, j'ai pu faire la rentrée en septembre. J'ai pu prendre mon baptême le 23 novembre 1997. Et oui, en fait, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Et moi, ce soir, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas, je ne sais pas quel est le miracle que tu attends. Tu es peut-être sans doute malade. Les médecins, les hommes disent, mais il n'y aura pas d'issue. Tu ne pourras pas être guéri. Mais le Seigneur dit autre chose de toi. Attends-toi au miracle. Attends-toi aux prières de tes frères et sœurs. Attends-toi en fait à la résurrection, à ta résurrection, comme il l'a fait pour moi. Et je t'invite ce soir à mettre un mail dans le chat, mais quel est le miracle que tu attends? Seigneur, ça fait tant d'années où j'attends la guérison, ça fait tant de mois, j'attends ta main, mais je vais t'accompagner, toute une équipe, nous sommes là pour prier pour toi. Mets-le dans le chat, une équipe d'intercession est là pour prier avec toi. Merci Jean-Pierre. Et j'ai dit merci à tous ces hommes et ces femmes qui prient. Peut-être toi, tu es un intercesseur et tu t'es dit, j'en ai assez de prier pour les gens qui ne me voient pas. Dieu te voit et tes prières accomplissent des miracles pour des personnes comme Jean-Pierre. Parce qu'il y a eu des gens qui ont prié. Aujourd'hui, Jean-Pierre, tu es là. Tu es un papa comblé. Un mari comblé avec une femme, des enfants et une bénédiction pour nous à MLK et pour plusieurs d'autres personnes dans le monde pour lesquelles Jean-Pierre prie. Bien-aimé, toi intercesseur, ne te fatigue pas. Tu as choisi la meilleure part. Alors prie. Ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Intercède. Bien-aimé, prions. Ce soir-là, sur le chat, Jean-Pierre l'a dit, je vais le laisser prier pour vous. Peut-être tu as une situation, moi je ne connais pas ta situation. Note-les sur le chat, nous on veut prier. Pendant que Jean-Pierre, tu étais en train de parler, je voyais un peu comme une grande lumière. Il y a quelqu'un qui s'attend à ça. Dieu va venir éclairer grandement dans ta vie et les choses vont changer. Les ténèbres vont être chassées. Lorsqu'il y a des gens qui prient, il y a un déclenchement dans le ciel parce que Dieu entend et le ciel réagit. Il envoie ses anges. L'Esprit du Seigneur peut descendre et venir te toucher. Peut-être quelqu'un qui est dans le coma, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Et nous ce soir, ensemble on est là, Gerson, moi et Jean-Pierre, Gaziel, David et Daniel, on va laisser le Saint-Esprit. Et on va chanter avec toi. On va demander au Saint-Esprit de descendre sur ta situation. On veut voir des malades guéris ce soir au nom de Jésus. On le déclare, c'est la parole de Dieu. Elle nous dit, en mon nom, vous guérirez les malades.
On veut voir des aveugles voir. Que tu sois aveugle physiquement ou spirituellement. Que tes yeux soient ouverts. Que cette lumière que j'ai vue puisse t'éclairer pour que tu voies ce soir. Qu'il y ait des stériles qui enfantent. Que ce soit physiquement ou spirituellement ou dans n'importe quel domaine où il y avait la stérilité. Que tu puisses enfanter au nom de Jésus. Que tu t'élèves et que tu marches là où tu es. Parce que l'Esprit du Seigneur est dans le lieu où tu es et dans le lieu où nous sommes. Il est là. Jean-Pierre, est-ce que tu peux prier pour ces personnes le temps que Daniel et son équipe nous amènent dans ce champ qui est prophétique et on va déclarer ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Amen. Je vais prier pour vous ce soir. Amen. Seigneur, tu connais toute situation. Tu connais ton fils, tu connais ta fille. Tu sais là où elle se trouve. Sans doute dans un lit d'hôpital, à domicile, malade. Où là, tu te sens où tu crois qu'il n'y a pas d'issue aux yeux des hommes. Mais Dieu te dit, je suis ton issue. Et je veux déclarer maintenant aussi que le Seigneur peut agir là où tu es. Peut emmener ta guérison là où tu es. Tu connais sans doute un membre de ta famille qui est dans le coma. Crois à sa guérison, crois à son réveil. Le Seigneur dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Crois que Dieu est là au milieu de toi, au milieu de ta famille, avec les intercesseurs. Et je prie pour que le miracle s'opère dans ta vie. Amen. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans 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 ce lieu. L'Esprit, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est au en ce lieu. Je suis complètement
ont changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Sont délivrés en ce lieu. Le pardon veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au Alléluia, amen. L'Esprit du Seigneur est en ces lieux. Et bien aimé, cette promesse, elle a été faite à nous, à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Jésus a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il est avec nous, le Saint-Esprit. Il veille, il agit. Dans ta vie, dans ma vie, il est là. Il veut être ton associé, ton meilleur ami. Bien-aimé, on peut vivre des situations compliquées, mais quand on a le Saint-Esprit, c'est top. Plutôt que de rester seul. Nous, on est venus là tous les trois. On est là tous les six pour te proposer le meilleur allié, le meilleur associé, le meilleur ami, le plus bon, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui veut te rendre libre. Je vais laisser juste un temps à Gerson, si tu peux prier. Pendant qu'on chantait, j'avais cette pensée forte sur mon cœur de prier pour les femmes qui ont leur mari dans des situations compliquées, des maladies. Ton mari, ça fait longtemps qu'il est malade. Tu n'en peux plus. Mais je veux vraiment laissez Gerson prier pour toi ce soir, parce que Dieu veut te visiter dans ta situation. Ne lâche pas. J'ai cette pensée que tu es là, tu as dit, c'est ma dernière chance, je vais partir, je veux le laisser. Après tout, il ne guérira jamais. Mais Dieu veut te surprendre. Gerson. Amen, amen, amen. Ne vous inquiétez de rien. Je le répète. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Merci, Joël, parce que j'ai cette image, en fait, de l'Esprit de Dieu qui est au contrôle de toute chose.
Et je vais prier pour le sujet des femmes qui vivent des situations difficiles. Et j'aimerais aussi prier pour les femmes qui ont perdu des enfants, qui n'ont pas réussi à arriver à terme. Pour ces femmes qui sont dans la douleur, nous voulons prier aussi pour vous. Ne vous inquiétez de rien. L'Esprit de Dieu est au contrôle de toutes choses, de toutes choses. Père, merci Seigneur, parce que nous pouvons nous raccrocher à ta vérité, à ta parole, Seigneur, qui ne faillit pas. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, ce soir pour toutes ces femmes, Seigneur, papa, qui ont un mari malade, Seigneur, qui soit dans un lit d'hôpital ou qui soit, Seigneur, dans un lit à la maison, papa, comme je l'ai été, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu puisses relever, Seigneur, fortifier toutes ces femmes, Seigneur, pour qu'elles puissent, Seigneur, être soulagées, Seigneur, de ce fardeau, papa. Merci, Seigneur, d'agir. Seigneur, merci d'enlacer, Seigneur, par ta bienveillance, par ton amour, Seigneur, toutes ces femmes, Seigneur, qui sont dans le besoin aujourd'hui, Seigneur, émotionnel, physique, Seigneur, des femmes qui ont leurs enfants à surveiller, à voir, Seigneur, à être avec eux, Père éternel, et en même temps avec ces maris, Seigneur, qui sont malades, papa. Merci, Saint-Esprit. Merci d'agir. Merci de renouveler. Je prie aussi pour ces personnes, Seigneur, qui ont du mal à avoir des enfants, ces personnes qui ont perdu des enfants, Seigneur. Père éternel, ta grâce, Seigneur, viens agir d'une manière surnaturelle. Seigneur, que les stériles enfantent, papa, que les stériles enfantent maintenant, Seigneur, nous voulons déclarer cette parole de vie dans les ventres, papa, des mamans, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu opères des miracles. Seigneur, tu n'as pas opéré des miracles, tu continues à opérer des miracles. Ce soir, Seigneur, tu touches les vies, tu touches les cœurs, papa. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il agit encore, notre Dieu. Il agit encore, bien-aimé. Moi, je veux prier ce soir. J'ai cette vision des enfants en néonatologie. Seigneur, j'ai prié pour ces petits bébés, Seigneur, qui luttent pour leur vie. Les parents sont peut-être désespérés. Quand ils regardent, ils se disent, on n'est pas sûr. Ces enfants qui sont nés avant terme, j'ai prié pour eux. Maintenant, papa, il y a la vie. Tu viens, Saint-Esprit, insouffler la vie. Maintenant, là, en néonatologie. Au nom de Jésus-Christ, ces bébés qui n'arrivaient même plus à pleurer, il y a un cri de vie. Il y a un cri de vie dans la couveuse qui se fait entendre. Parce qu'il y a un Dieu puissant qui agit. Seigneur, nous sommes venus devant toi et on croit que tu agis encore ce soir. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour la faveur de Dieu. Merci Saint-Esprit. Les amis, oh là là, ça passe tellement vite. On a envie comme Pierre, Jean et Jacques d'élever des tentes et de rester si ça ne dépendait que de nous. Mais non, on est obligé de vous quitter ce soir. Merci d'avoir été là. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce qu'on a demandé ce soir, tu as reçu, crois-le, tu le verras s'accomplir. Même si tu ne le vois pas, il agit. Même si tu ne le sens pas, il agit. Sois béni. Si tu as encore besoin de prière, écris-nous à prière@eglisemelka.fr. Si tu as un témoignage, tu as vu Dieu à l'œuvre dans ta vie, écris-nous à témoignage@eglisemelka.fr. Soyez bénis. Bonnes vacances. On termine avec quelques notes de chant. Que Dieu vous bénisse. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Tu ferais un chemin. Tu ferais un
chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 tu es, tu es là, présent parmi nous. Je t'attends, je t'attends.